Hey, salut tout le monde, c'est Cornet Python 357. Comment ça va bien? Bah écoutez, moi ça va super bien. Je viens de terminer une petite partie de Left 4 Dead 1 avec mon frère, à savoir que on a galéré pendant une petite heure et finalement on s'est fait tuer. En fait, il y avait les renforts, donc je sais pas si vous connaissez le principe. Pour ceux qui connaissent pas, en fait à la fin il y a des renforts. Et j'étais rentré dans le camion de renfort, résultat ils sont tous fait tuer et il y a le tank qui est rentré à l'intérieur d'un tank justement. Et je me suis fait tuer, des résultats, la mission on l'a raté, on va reprendre. On va tout de suite vous dire, bon ça fait j'ai pas un wifi très stable donc j'espère que la partie durera. Super. Par contre. Ah oui, il est en route de l'heure. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas joué, en plus il y a une connexion de merde, c'est-à-dire que j'ai une seconde de retard sur tout le monde parce que c'est un wifi que je chope. Chez un voisin de l'appart où je vis à Lyon. C'est-à-dire pas chez moi. Pardon, excusez-moi, j'ai plus l'habitude de jouer. Bon là vous voyez que je suis en forme en tout cas. J'ai plusieurs choses à me dire durant ce commentaire. Premièrement que le prochaine vidéo sera sans doute un zombie, je ne sais pas encore si ça sera sur Moon ou si sur ou ça sera sur une map un peu plus basique, je ne sais pas encore. Alors je commence à camper comme des porcs, je m'en vais me cacher. Et je vais vous parler de plein de choses sur ce commentaire, parce que je fais un petit peu de code 5 aussi avant, enfin après surtout. Mais je ferai pas ça à la suite, c'est-à-dire que je vais d'abord jouer un petit peu sur le milieu de cœur, et ensuite je jouerai. C'est quoi ces mecs? Et en plus je suis tout pourri au sniper là, ça fait super longtemps que j'ai pas joué. Et voilà. Alors là, il y a l'air d'avoir des PGM en face, alors est-ce qu'il y a des gens que je connais en face? Non, aucunement. Enfin bref, alors mes vacances se sont extrêmement bien passées. Il a fait hyper chaud, hein. Vous vous en doutez, Andalousie, Espagne, tout est bon. J'ai pas l'habitude de commenter en live, je vois absolument rien sur cet écran. En plus, et voilà, donc en fait, ce que je disais, c'est qu'il y a dans ce patate derrière moi. Ils sont tous en train de camper comme des gros porcs. Oui, donc j'ai fait pas mal de choses. C'est un mec, ça? Non. J'ai vu un papier volé, j'ai cru que c'était un mec. Ah! Oh, je me suis là, j'ai bientôt plus de. Ah, 3-6. J'entends des bruits. Bon, vous attendez pas un super gameplay, hein. Oh là là. Alors je sais pas vous, mais quand après 3 semaines de vacances, je reprends un Call of surtout avec le sniper, bah, je sais pas jouer du tout. Commando. Attention, on va revenir par là. Non. Par là. Hop. Oh, excellent celui-là. Enfin bref, je vais vous mettre une petite vidéo, pas dans cette... Il y a des mecs là-bas. Non. Pas dans ce commentary, mais dans un autre commentary. Voilà. Je suis quand même à 5-6. Un autre commentary. Et je vous mettrai des... J'ai fait une petite vidéo sur un site exceptionnel. Un site exceptionnel, El Torcal, je sais pas si vous connaissez. Enfin bref, vous verrez bien, c'est franchement magnifique. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, ça s'est super bien passé, à part le fait que j'ai réussi à me choper une otite dans chaque oreille. Ce qui fait résultat que je ne pouvais pas mettre la tête sous l'eau. Eh oui, je ne pouvais pas mettre la tête sous l'eau, ce qui fait que sous 40 degrés, c'est agréable. Donc voilà, à part ça, tout va bien. Ça dure 3 semaines, non? Qu'est-ce qu'il faut? On va tenter de le prendre. C'est qui? Ah, commando power. Je sais pas ce que je passe en commando. Sinon, de quoi je pourrais vous parler? Oui, vous avez sans doute remarqué, commando power. On va faire un petit massacre. On va essayer. Massacre, j'ai envie de dire. Vous aurez sans doute remarqué que je mets des petites musiques. Maintenant, je vais essayer de mettre ça dans certains commentaires. Des petites musiques d'ambiance. Donc, si vous voulez. Ouais. Si vous.
Oh là là, j'arrive plus à jouer au sniper. Et depuis le temps que je rêve de vous faire une vidéo au sniper. Mais non! Depuis le temps que je rêve de vous faire une vidéo au sniper, il faut que je le fasse juste quand j'ai pas de niveau. Sur un double 2, parce que d'habitude je m'en sors dans tout le monde. D'ailleurs, j'en ai fait, mais je fais du sniper. Ça fait toujours rigoler. Enfin bref, bon, est-ce que ça vous plaît cette histoire de musique pendant les commentaires? Moi je trouve ça, ça fait sympa! Non mais j'en ai marre! Je trouve que ça fait assez sympa! Laisse-moi prendre petit pouce fait! Aïe! Hop! Commando! Après. Si vous préférez que je fasse, enfin que je mette des musiques. Quoi? Oh là là, ça a bugué là. Si vous préférez que je mette des musiques. Oula, ma connexion a bugué. Bah, vous voyez que quand je vous disais que le réseau n'était pas stable. Si vous préférez que je mette des musiques avec des paroles, est-ce que j'ai du sang-froid? Est-ce que j'ai du sang-froid? Je n'ai pas de sang-froid. Donc on va se cacher. Super. Laisse-moi tranquille, merci. Donc, est-ce que vous préférez que je mette des musiques avec des paroles? Dans ces cas-là, bah, proposez-les. Moi, je sais pas ce qu'ils vont dire. Ah, bah enfin, j'ai envie de dire. Oh, bah non, laisse-moi tranquille. Ah, ya yeah. Yeah. Quoi? Mais mon dieu! Après, est-ce que. D'ailleurs, en parlant de tout à l'heure, je disais que j'étais avec mon frère, d'ailleurs, tu vois. Non. J'étais avec mon frère sur Left 4 Dead, premier du nom. Et à savoir, est-ce que vous, par rapport à ma vidéo sur Portal, d'ailleurs, ça a pas mal de plus. Mais ras les fesses. J'en ai ras les fesses. J'en ai ras les fesses, en plus ça bug comme un pauvre. Ma connexion, elle bug. Oh, du 10-16, mon dieu que c'est magnifique. Oh, je suis sûr. Ça serait sympa que j'ai mon printemps bientôt. Non. Bon ça va, c'est pas pour moi un tricheur. Hop, voilà, vengeance. Ça va, je commence à retrouver un peu de niveau. Enfin, j'en ai l'impression. Wow. Bon là. Enfoiré. Donc est-ce que ça vous plaît les petites vidéos avec mon frère? Donc j'en ferai certainement sur d'autres jeux que Call of. Parce que Call of c'est bien, j'aime bien. C'est là où je m'amuse le plus. Enfin, sauf quand je me fais avoir dans le dos. Mais voilà, de temps en temps, un autre petit jeu, ça fait pas de mal. Donc avec mon frère, dites-moi si vous avez envie. Non. Dites-moi si vous avez envie que j'en fasse un peu plus. Aussi, je vous propose un nouveau concept, à savoir un concept de team. Course à la bombe, 6 participants, un seul gagnant. Enfin bref, j'ai pas trouvé d'excellent titre. Oh punaise! Ah, il a fait quoi lui? Ah, ok, bon, j'ai cru qu'il avait fait un truc de PGM. Bon, du 12-21, j'appelle ça du PGM. Tu m'as pas vu. Alors, course à la bombe, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une petite partie de domination avec tous les membres de ma team. On active tous la nuque, donc tous les mêmes choses. Hein. Et c'est au premier de l'avoir, à savoir que un seul joueur de notre team en a mis. Ce qui fait que bah, on va être d'autant plus motivé pour en avoir, que le but est de faire chier nos amis. Mais c'est pas possible, comment je peux rater des trucs pareils? Tiens! Ah mais continue à passer à travers toi! Donc le principe de ce nouveau concept, c'est... nous voir, nous les membres de ma team, la Bifrost, nous faire des coups bas, nous marrer, nous engueuler, nous rager entre nous. Car, par exemple, je sais pas, moi je vous donne un exemple, Arbiter qui a l'habitude de camper comme dans un coin pour avoir son arrêt, on va tous s'amuser à venir sur lui, à tirer dessus, comme ça pour que les ennemis arrivent, ou on va le bloquer, ou quoi que ce soit. Ou encore, que dis-je, on peut très bien trouver autre chose comme... Je peux faire des alliances ou des trucs comme ça, ou des contre-alliances, des contre-feintes, pourquoi pas. Bref, on va se retrouver d'ici quelques instants, enfin pour vous, dans quelques instants, moi, ça sera certainement dans quelques jours, sur Code 5, parce que j'ai jamais fait de commentaire sur Code 5, j'avais fait quelques petites kills pour ma première movie, mais vous voyez que ce n'est pas exceptionnel.
Enfin bref, je vous dis à tout à l'heure. Et moi, je vais aller regarder Secret Story. Oh, la honte! Bon, allez, tous les gens. Et nous voilà de retour sur ce jeu, Code 5, un très bon jeu, malgré certains gros défauts, comme le problème des packs de map. Je ne vous en dirai pas plus, parce que je ne saurais pas vous l'expliquer correctement, à part si le sujet se passe devant nos yeux. Les autres, bon, c'est la même chose que Code 4 en même temps, et les gros cheaters qui arrivent de partout. Bon, c'est quand tu veux que tu trouves un match, mec. Matchmaking. Allez. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est là où il y en a le plus. Allez, on va rester là-dessus, j'ai envie de dire. De quoi voudrais-je vous parler aujourd'hui? Tout simplement du retour des commentaires défis. Donc, qui ose défier Cornet Python 357. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste à faire, hein? Vous l'avez compris, mais je parle pour les nouveaux venus, car il y a pas mal de gens qui sont arrivés depuis mon dernier commentaire défi. Bon, déjà, un défi, ça sera trouver une partie sur Code 5. Intéressant, vous ne trouvez pas? Ah, voilà, super. Ça va être fun. Sur quoi? Asylum. Bon, ça va, Asylum, j'aime bien. Oui, donc, ce qu'il vous faut faire, c'est me proposer en commentaire écrit un défi sur n'importe quel jeu. Bon, c'est pas forcément sur les Call of, hein, mais toujours, hein, vous préférez les Call of, et en particulier les plus récents. Et vous regardez un petit peu dans les commentaires le défi qui vous plaît le plus, et vous le pouce verrez à mort, vous le violez, ce petit pouce vert. Donc voilà, bah vous connaissez le principe, hein. Et puis je peux pas être on ne peut plus clair, et à partir de maintenant je vais juste vous expliquer pourquoi je fais que des commentaires. Je viens de recevoir un SMS de mon chef de team qui me dit d'aller jouer avec lui. Bah pas de soucis, j'attends, je finis. Donc alors pourquoi je joue? Oh putain, cheater, excusez-moi. Mais ça commence à m'embêter, ça. Alors toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mon gros? C'est pas lui le cheater, il y a deux cheaters. Logiquement. Donc, bon, je vais rester au snipe, pourquoi? Parce que j'en ai marre des autres armes, et que j'ai envie de m'améliorer au snipe sur tous les jeux. Donc je vais jouer qu'à ça. Bon, ils arrivent tous de l'autre côté. Alors, on y va, c'est parti. Oh, c'est quoi cette arme? Oh putain, le bruit que ça a fait. On aurait dit un réacteur d'avion, quoi. Oh mon dieu. Donc voilà, bah vous allez avoir que des commentaires sur des... Eh non, mais c'était pas moi. C'était pas à moi de mourir. Je m'en vengerai. Eh bah voilà, bah... Ça m'arrive tout le temps, ça. Ça vous arrive jamais, vous, de viser un mec, de vous faire repérer parce que vous voulez tuer ce mec, et oh punaise, mais c'est pas possible! Oh, c'est la quatrième fois que je recommence commentaire. Bon, allez, je continue, je m'en fous. Ça ferait mieux d'aller tous. Et c'est la nuit, les chats sont gris, les petits poissons rouges. Moi, c'est un petit délire avec des potes qui ne se reconnaîtront pas, ou alors peut-être qu'ils se reconnaîtront, j'en sais rien, mais ils regardent jamais mes vidéos, donc enfin bon, j'ai chanté du Mickey 3D, bon, très mal, surtout que oui, bon, va t'envoyer, merci. Mais non, mais je ne veux pas ce jeu. Ah, mais non, mais je l'ai pas cette map. Voilà, mais bah, c'est ça le pack, les packs de map. Ça, c'est une map qui appartient à un pack, et je peux tomber dessus. Mais voyez ce que ça va faire, ça va me demander d'acheter. Hein? Oh gros fail, j'étais jamais tombé dessus, j'ai cru que c'était une pack. Enfin bref, normalement ça me demande de quitter ou d'acheter le pack de map. Et de quoi j'étais en train de parler? Oui, je chantais du Mickey 3D, pour ceux qui auraient reconnu. Bah c'est bien. J'aime beaucoup Mickey 3D, même si ses paroles sont un peu bizarres, un peu beaucoup d'ailleurs. Et... Bon alors là, si cette... Alors voilà, te voilà petit gars. Est-ce qu'on peut monter là-dessus? Non. Je connais pas cette map, elle est énorme. Alors là, il y a un tank. Ils ont bien fait d'enlever les tanks, moi je déteste ça. Ordure de nazi. Non, c'est un tank mauvais ça.
Tu m'as pas vu? Tu m'as pas vu? Allez hop! Oh merde, il m'a vu. Allez boum, explose. Qu'est-ce qu'il fait lui? Oh là là, là 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 là. De quoi est-ce que j'aimerais vous parler aussi? Oui, j'en avais un peu parlé dans ma vidéo sur Enslave. Alors lui, je sais pas qu'est-ce qu'il a foutu. Ouais, super mal. J'en ai un petit peu parlé dans ma vidéo sur Enslave, donc là je vais excusez-moi pour ce. C'est qui lui? Quoi? C'est un cheater, c'est pas possible, je lui ai tiré dans la tête. Noscope. Je radote un petit peu, mais enfin bref. Mon profil personnel Facebook. Alors toi, t'es mort. Mon profil personnel Facebook, il vous sert à quoi? Ben, il est très important, hein, faut le voir. Enfin, moi je considère qu'il est très important. Tandis qu'il vous permet d'influencer sur le contenu de mes vidéos, la façon que j'ai de commenter et les quelques concepts que je propose. Toi, t'es mort. Voilà, merci. C'est fini, gros, merci. Je suis premier de ma partie. Alors qu'il y a des cheaters. Bon, là, j'ai vraiment pas un PGM. Enfin bref, tous les commentaires. Oh, j'ai pas compris. Ah putain de lance-flamme. Foiré, va. Regardez, là il a pas pris un kill. Il a rien pris. Je savais même pas que ça existait les, déjà des lance-flammes sur 5. Donc tout. Ah fuck. Et hop. Tous les concepts que je propose, je demande d'abord confirmation. Aïe 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 aïe. Je demande d'abord confirmation à mes amis sur Facebook. Ils me répondent toujours, ils sont un petit club sympa. Et hey. Oh là là, excusez-moi, j'ai un peu de mal. Donc vous ne verrez aucun concept. Dégage. Bah, carrément, il met des trucs comme ça, je connaissais pas. Dégage toi, dégage. Explose. Bon bah vous aurez tout vu. Hein. Il manquait. Ah non, bah. Bon, comment tu fais pour pas passer toi? Il m'énerve ce tank. Dégage toi, dégage. Pas touche. Elles sont. Non. Enfoiré va. Et je flambe encore. Mais arrête. Eh mais ça devient lassant à la fin. Faut que je trouve ceux qui flambent. Non, tu m'as pas vu. Tu ne m'as pas vu mon gars. Hop, petite grenade dans le tas. J'aimerais bien faire péter le tank à force. Ah bah maintenant c'est ma connexion qui bug. Alléluia cette partie. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire là? J'ai personne à tuer. Nyaha. Non, tu me vois pas. Oh, il m'a écrasé. Oh, c'est possible ça. Mince alors. Alors. Non mais, me touche même pas toi. Cheater de mes deux. Je vais me jeter dans le truc qui explose. Ça serait sympa que je refasse un kill là. Je veux plus te voir toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait avoir, bah je joue comme un plot. Comme VLC. Pour ceux qui comprendront. La vie aux amateurs. Qu'est-ce que tu fais là toi? Oh l'enfoiré! Comment tu t'appelles? Arctic? Bah, moi je vais. Tu vas avoir chaud au fait, je vais t'empêcher de. Camper comme un porc. Tiens, t'es pas mort? Tiens, je t'attends Arctic. Quoi? Il m'a one shot. Ah bah j'avais fait un saut. Mais laisse-moi tranquille, j'étais en train de regarder mon score. Ah, on se fait démonter. Allez, je vais faire ma voix qui mue. Pff, ça devient vraiment n'importe quoi, hein. Quand je commence à perdre comme ça. Je dis vraiment n'importe quoi. Il fait quoi lui? Eh, j'ai eu celui de derrière, c'est quoi cette arnaque? Oh là là.
En ce moment, je trouve que mes commentaires sont un peu vaseux. Reviens! Toi aussi! Et n'importe quoi, qu'est-ce qu'il m'a fait, lui? Il m'énerve, lui, avec son tank, hein. C'est vraiment n'importe quoi, à la fin. Il t'en faut combien, des balles? Non, mais c'est quoi, cette arnaque? Je vais péter un câble. Bon. Ce fut sur ce score pitoyable que je vais vous laisser. Donc, rappelez-vous bien ce que je vous ai demandé, à savoir est-ce que ça vous plaît les musiques pendant mon gameplay, et si ça vous plaît les musiques avec paroles dans ces cas-là, bah, dites-le moi et voilà quoi. Dites-le moi et proposez-en moi. Enfin bref. Et aussi bah, l'histoire des défis, donc proposez-en moi. Si, ça fait bizarre à l'oreille. Enfin bref, j'espère que cette vidéo, malgré mes blagues vaseuses, mon commentaire est tout simplement vaseux, mon gameplay vaseux, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura permis de vous divertir quelques temps, et moi je vous dis à la prochaine. Les robots ont asservi les humains, et bah, d'ailleurs on en voit quelques-uns, ils les ont asservis en esclaves, et en clair, ces deux-là, ils allaient être pris... Ils s'étaient fait choper, ils allaient être vendus comme esclaves, mais ils sont échappés, et puis pour qu'elle retrouve sa famille...